Un coffre ici. Un coffre qui n'attend que nous. Des pistolets. Sympa la baignoire. Reviens ici, Jacobs! Dis-moi, gamin, c'est pas toi qui devais têter ta sœur pour pouvoir espérer survivre? Crève dans le caniveau! J'espère qu'il y a pas. Baf! Ouais. Le problème, c'est que le deuxième DLC spoil un peu. Pourquoi? Bah, du coup, on sait très bien qu'il va pas mourir. C'est hautement improbable. Je suis invincible. Tout bien, je ne trouve pas que ça manque de sel. Mais prends le temps. Lieberman, c'est je dis la lune. Trouve Lieberman. Pas perdu. Oh merde. Merde. On aurait dit qu'il allait trébucher sur ton champignon. Oula, il y a des explosions. Bon, bonsoir, on dirait. Ah putain, j'étais derrière le poteau. Oula. Et des balles explosées, ça fait. Toi, je crois que t'as besoin d'un coup de main. Oh, merci. Crève, l'hérétique! Faut que je te relève plus souvent, ça. Ça me donne. 100 d'XP. Ça va te la couper! Bah, dans tous, quand tu relevais quelqu'un, ça a donné d'XP. Ouais, mais c'est. J'avais oublié. Je vais te tuer! D'habitude, je te relève tout seul. Combattre dans un environnement confiné avec des sadiques, c'est pas cool. Tu vas bouffer du plomb, toi. Non, je sais pas, quand je suis monté, il y avait un gros Goliath. Ouais. Comme ce qui a réparé juste derrière toi. Il va tuer ses potes, je suppose. Quel pote? Je sais pas. Il veut pas venir. Oula, attention, il a sorti un pneu. J'étais criblé de dette. C'est perturbant quand les morts parlent. Reviens ici, vieux. Surtout cul quand ils explosent. Essaie donc de m'attraper. Ok. Alors attends. Genre. Et... Les gens qui dansent t'aiment pas. Hein.
à tout ce qui est mobile, là, c'est chiant. Oh putain, il a peur. Ouais. C'est mon territoire. Ah ouais, il y a un claptrap. C'est pour ça que je suis là. Ah, l'assaut. J'essaye de t'imiter, mais ça marche pas mal. Ça, c'est tout moi. Toutes ces choses que je ne verrai jamais. Bon, je sens le brutal du chat qui va pas. Je kiffe cette grenade, sérieusement. Et si on discutait un peu? On va pas faire de headshot. Je lui ai mis un headshot au fusil à pompe. Ah, c'est bon, il n'y a pas réagi. Je chérirai toujours ces moments passés ensemble. Ok, alors. Le clap. Je sais pas comment on y accède. C'est en dessous. Bah ouais, c'est en dessous, mais en dessous on peut pas. Ici. Ah putain, je pensais que ça faisait tellement sombre, ça faisait tout noir, je pensais que c'était comme le truc à côté. Quelqu'un l'a fait tomber de son fauteuil roulant. Quelle cruauté. Quel fauteuil roulant? Ah, un mode. Ah si, il est là. De porte G364 au P3. Tu sais ce qu'on dit? Quand le policier robot tout puissant ferme une porte, n'hésite pas à la rouvrir. Ouvrir ce coffre. Ouais, c'est dans les quartiers. Ah, je peux inspecter le corps là. Vas-y, ça doit être. Mais quelle harpie! C'est quoi ça? Une lettre de licenciement? Aurélia a fait le ménage? Si quelqu'un s'est fait sabrer de façon métaphorique, il sera sorti par la porte de la cave. Allez voir si vous trouvez quelque chose. Alors, attends. Sympa. Du coup, alors. La quête principale, c'est juste après, et l'autre, c'est plus loin. Donc, quête principale. Je laisse mes chasseurs de l'arche. Le cabaret est un peu plus loin. Continuez. Attends, tout comme d'abord, j'ai vraiment. Il y a des petits rituels comme ça. Hein. T'as de l'argent, alors pourquoi pas le dépenser? Tellement de loot inutile. Prenez le bus et venez chez Marcus. T'as un poète, Marcus? Ouais. Wow. Allez. Il y a eu du grabuge ici. Ouais, Tyrine est passé par là. Ou peut-être son frère, hein. Comme il partage les pouvoirs. Ouais, mais pas tous. Il a pas le pouvoir de Lilith. Ouais, ouais. Ouf. Après, je sais pas en vrai. Hein. Parce que quand on a joué contre le monstre de l'arche. Il avait ses tatouages en rouge. Oui, là aussi il avait ses tatouages en rouge, mais il a pas les pouvoirs de Lilith, il a que ceux de Maya. De l'argent. On va essayer de jouer une fois. Hein. Oh, j'ai eu deux fuck et du coup j'ai eu un fusil à pompe, mais blanc. Donc c'est... Putain, 2000 balles pour faire tourner le truc. Ouais, ça dépend de ta thune actuelle. C'est beaucoup trop cher pour avoir des loots de merde. Bon bah, let's go, hein. Oui. Hey, rapace! Tu veux voir un truc que ta pote sirène connaissait pas? Ouais! Sens mon pouvoir dans tes veines! L'élu. Ah.
qui peut envoyer du feu, après. Hein. Montre-moi ce que tu sais faire, petit gars. Ouais, du feu téléguidé. Oh putain! Tu... Oh, c'est des petites merdes autour. Oh, oh, oh! C'était les portes. Ouais, mangez-moi! T'aurais mieux fait de te méfier! Putain, il est gigantesque! Les Calypso me protègent! Suis les champignons! Je redeviens poussière! Pierre, pourquoi m'embêter à m'éviter? Je mets des fléchettes. On se met à couvert! Je vais te découper la viande! Accepte ton châtiment! Il y a pas rien! Il y avait un Tinker, putain, qui me saoulait. Approche l'hérétique! J'ai du plomb pour toi! Mais ils font chier ces trucs de feu, là! Je suis le niveau Iridium! C'est pas fini! Oh, je m'en fous! Tu peux bien tuer tous les élus que tu veux, j'en ferai juste d'autres. Mon armée est infinie. Mais tu sais quoi? J'ai des choses plus importantes à faire. Bien, maintenant qu'on est débarrassé du minable, revenons à nos moutons. La trappe du bureau de mon père a une serrure spéciale. Vous allez devoir trouver comment l'ouvrir. Montez dans la cabine du technicien. Loot de... du mec butin. Il m'a rien filé du tout. Ouais. Et le boss pareil. Enfin rien de bien que du. Que du vert nul. Du bleu mais nul. Et après du vert nul. Et le boss j'ai pas vu. Si il fallait le casser. Ah ok. Un mode de classe. Sympathique, je ne sais pas. Ouais. Ah oh, ouais. Des pouvoirs que j'ai améliorés en plus. J'ai encore plus de boucliers. Là j'ai encore plus de vie aussi. 1434 de vie. Ah. J'ai 2300 de bouclier. Arrête de les taper ces pauvres gens. Mais ils sont morts. Justement. Regarde, y a un coffre là-bas. Coffre à pistolet nul. Ouais. Oh. Ah, regarde, téléphone. Hey. En dessous. Ouais. Typhon de Léon. On the Voltrines. Remember the thing. Sequency. Je sais pas. Ah, attends. Il y a le symbole de l'arche qui est entouré. Avec une flèche. Il y a sa tronche qui est entourée aussi. Ouais. Et attends, c'est quoi en écrit en dessous? Avec Maximus Pax Miceli Luke Toller Helm. Le directeur c'est Yaber Adams. C'est produit par Armando Christensen. Le mécanisme d'ouverture est caché dans les réglages de la scène. Cherchez des indices pour savoir quels accessoires sortir. Mon père gardait des affiches de ses pièces préférées dans le théâtre. L'une d'entre elles a peut-être un indice. Ah bah.
Celle juste en dessous de nous, je dirais. Ruine. Faut activer des... Enfin, il faut faire la bonne combinaison, je pense, de... De... Ouais. Okay. Non, ça c'est le Bojack. Ah. Oui. Ouais. C'est lui. J'ai mal à voir. C'est ouais. Typhon machin. Non. 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 Ça a pas l'air d'être ça. Non, ouais. Ah. Ah si. On a fait le tour. Je pense que c'était le troisième. C'est vraiment lui là. Ouais, ouais, j'ai visé au sniper pour voir. Vous avez trouvé. La trappe sur la scène mène directement au bureau de mon père. Dépêchez-vous, vous devez le fouiller. Ok, qu'est-ce que je dois trouver? Je ne sais pas vraiment. C'est là que mon père gardait toutes ses archives. Cherchait quelque chose qui ressemble à une archive. Mhm. Ah, il y a des fois des munitions dans les tourne-disques. Ouais. Alors faut voir du coup, parce qu'il devrait y avoir aussi l'autre quête pas loin, je sais pas. Je sais pas, on va montrer l'autre quête deux secondes. Yep. Ouais, elle est juste après eux. Mais à l'étage d'en dessous. Donc c'est pas tout de suite, tout de suite. Ouais. C'est vraiment dégueulasse à chaque fois leur frigo. Attends, il y a un coffre à Jacobs ici. Deux trucs blancs. Bien sûr, il parlait d'enregistrement. Ce disque est aussi vieux que la société Jacobs. Et je possède l'unique ligne phonographe de toute la galaxie. Si mon père m'a laissé un message, ça ne peut être que ça. Rapportez-moi ça au chalet, chasseur de l'arche. Non, pour le mur. Compris, je suis en route. Vous avez pas fait exprès, je le jure. J'y suis pour rien. Oh, un coffre. Un gros coffre. Oh. Vous avez trouvé un bon gros coffre à vider. Et en bonus, vos spectateurs ont une chance de gagner une copie de votre putain. Bah, allez-y, les spectateurs. Désolé, YouTube, hein, il fallait être là. Blanc. Faire de la place. Pourri le coffre. Attends, parce que j'ai aussi des trucs blancs à dégager. Hop. Et du coup, l'autre quête, bah, ça va être en dessous. Vous partez déjà? Eh bien, soit. Laissez-moi au moins vous expliquer. D'accord. Vous ne représentez rien pour moi. Aussi vous ai-je vendu au Calypso. Mais n'en doutez pas, je trouverai la clé de l'arche. Parce que je suis riche et que les gens riches obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Effectivement. C'est l'autre 4 du coup, vas-y. Non. Hein? J'ai récupéré le truc, c'était marqué des poèmes d'amour. Bah moi je l'ai juste entendu dire non. Oui, moi aussi. D'accord. Mais c'est quand j'ai récupéré les trucs, c'était marqué des poèmes d'amour. D'accord. Donc ça doit être par ici. Bravo à un spectateur qui a gagné un objet. Je suppose que c'est des DD. Félicitations, je suppose. Autant les armes et ça, ça doit pas être intéressant, autant dès que c'est du truc cosmétique, ça doit être un peu plus intéressant pour eux.
voulais crever? Bah t'es servi. Oh. Alors, peut-être là, ouais. Liste de courses. Non. Ça me fait penser au... Tu sais, le dessin animé Mario, où il fait... Non. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée du gars, là, j'ai l'impression. La lettre de licenciement. Ah. Cette lettre est adressée à une certaine Claire Connerly. Oui, je me souviens d'elle, une assistante chargée de toujours remplir la tasse de mon père. Retrouvez-la, elle saura peut-être où trouver les preuves du chantage. Ah. Oh, attention, chasseur, ah. Il y a un nouveau spectateur brutal dans votre zone. Alors, tu veux pas m'atteindre? Dédé, on t'offre des cosmétiques et toi, tu nous remercies comme ça. En doublant les dommages. Please, pas de régénération. C'est déjà assez long comme ça. Putain, régénération, quoi. Alors attends, slash ban. Et des. 2, 2, 3, voilà. Parce qu'en soi, le niveau en plus et le dégât augmenté, ça me dérange pas. La vie en plus, c'est juste augmenter la durée du combat. Tant qu'il fait pas si mal que ça le machin. Tu vas avoir oh, regarde. Ah, vous l'avez bien eu. Il m'a à peine mis à 10 PV. Ouais, mais... pas de dégâts. Et il t'a pas trigger ton... Mon ange ton gardien. Souffle, ton second souffle. Attends, je vérifie. Ah, c'est loin, ok. Ah oui, la quête, du coup, pour retourner voir le vieux. Et la quête principale, c'est pareil. Enfin, dans les deux cas. Ah non. Claire. Ah, c'est la meuf qui s'est fait. Qui était chargée de remplir la tasse de. Du père de ah, Wayne White. Bon, du coup, soit on peut remarcher tout le long, soit on peut stepper dans l'autre zone. Ah, c'est carrément dans une autre zone Ouais, dans les deux cas, il faut... Ah, je crois. En fait... Ah non, Claire, c'est pas dans... Partir. Ouais. Elle est où, Claire? Elle est vers l'entrée. Ah. Chez nous. J'arrive. Ils vont geler en plus. Je leur laisse mon drone. Elle est devenue alcoolique. Mmh. Aurélia, cette salope m'a viré. Et sans même me payer en plus. Tout ce qu'elle m'a donné, c'est cette vieille vinasse. Un goût de poison. Vous voulez des infos? J'ai planqué quelque chose dans l'abri abandonné. Baldrin avait enregistré des trucs bien dégueux avant de finir dans le placard. Ah, oh, mais merde! C'est...
Je t'avais dit de pas le boire. Ça a un goût de poison. Tu fais gaffe, tu flottes au-dessus du sol. Ah non, moi elle est collée. Hein. Enfin, moi elle a le bout d'un pied sur la chaise et du coup elle est au niveau de l'assise de la chaise. C'est ridicule. Encore une fois, ce jeu n'a que un peu plus de 6 mois. Soyons indulgents. J'avais un truc comme ça à une époque. C'est ma dernière offre. Oh, eh ben d'accord. Si je peux aider. Ok. Ah, cette quête, elle est longue en tout cas. Oui. Bon, on ignore le camp. Faut le retraverser. Mais bon, c'est pas comme si on l'a déjà vidé deux fois. Il y a plus d'habitants dans ce village. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux chasseurs de l'arche qui sont passés trois fois. Ah putain, il gêne. C'est un scandale. Qui va payer? Oh. Un DDD. Ça s'est bien passé. Non, bah écoute, je me régène encore. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Un Goliath en haut. Accroche-toi, ma bichette. Le tchouk-tchouk veut du caca. Par contre, depuis quand ils apparaissent dans une explosion de feu? Depuis qu'ils ont les pouvoirs de Lilith, qui m'a pris ton nez? Les... C'est moi. D'ici une minute. Les jumeaux. Ouais, mais du coup, c'est quand même bizarre. Incroyable. Tout est permis. Qu'est-ce que je peux le faire? Gala. Regardez mes entrailles, son oh, chef. C'est la merde. Je vais te montrer ce qu'un font les monstres. Trois brutaux quand même là. Sans compter ceux qu'on ignore. Ah merde, il a pris chaud ce con. Je suis immortel. Vas-y. Bon. Waouh! C'est fou ce que vous faites avec la glace! Waouh! Vous êtes sûr que. Vous êtes pas une sirène? Ça n'a rien de magique, non! Simplement de la nanotechnologie et de l'expérience. Alors, on a un accord? Ah oui, non, tout à fait. On torture Montgomery Jacobs à mort pour l'acte de sa société. Vous nous trouvez sa clé de l'arche et on vous nomme directrice. Honnêtement, je suis surpris que vous vouliez doubler votre frère. Je trouve ça un peu... Froid? Troy, mon cher, vous finirez par vous en rendre compte. La famille, c'est exactement comme la guerre. Et c'est toujours la sœur qui gagne. Allez, remontrez-moi ce que font vos nouveaux pouvoirs. Avec joie. Un homme ou un monstre? Ne te pose pas tant de questions. Si tu tires, ça saigne. Quoi? Ah, c'est parce qu'on est... C'est un truc d'arène, là. C'est juste que du coup, les deux dialogues se sont enchaînés. On s'en bat les couilles. C'est quoi ce court truc? Non, non, c'est bon. Il est ridicule. Du coup, on peut TP. Yes. Tiens, c'est bon. Là. Ah, t'as autre. C'est dans le menu, je pense que c'est. Non. Vurbital, bassin tourbé. Là. Ça pas encore lancé. Ouais, j'étais dans un chargement. Oh,
J'ai eu d'affilée deux tips de chargement sur la Chasseur sirène. De l'arche, vous avez donc survécu à une conversation avec ma sœur. On oublie D'accord. cette harpie. Le disque. Est-ce que je peux le voir, chasseur de l'arche? Oui, c'est moi qui l'ai. J'ai encore du mal à croire que les Calypso aient assassiné mon père. Je vais ressortir mon vieux phonographe. Mais vous savez comme moi qu'Aurélia va envoyer ses fanatiques à notre housse. Si on veut rester en vie assez longtemps pour ouvrir l'arche, il va nous falloir une armée. Une authentique résistance Jacobs. Il est temps de reprendre Eden 6, en commençant par la ville de Reliance. J'ai embauché un mercenaire appelé Clay pour nous aider. Il vous attend à l'extérieur de la ville. Je me sens un peu poisseux. Vous connaissez la blague du léopard qui renverse un encrier par mégarde? Oh, la chute ne me revient pas, mais c'était une histoire de tache sur sa fourrure. Ah, l'humour! Quelle tranche de rigolade! Et maintenant, okay. Va buter les méchants. Peu importe ce que c'est, vends-le-moi et je trouverai un acheteur. J'ai l'impression de passer ma vie dans cette boutique. Toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Du coup, il faut parler Allez. À lui. Quelqu'un veut faire un truc? Merci, chasseur de l'arche. Je ne pense pas qu'Alistair aimerait qu'on dévoile les indiscrétions privées de sa sœur. Les publics sont bien suffisantes. Je vais trouver où ranger ça. Par exemple, dans un four. Ou une sorte de gros engin qui brûle les fours. Un engin qui brûle les fours. Eh, hey, mourrez pas, hein. Ok. Quête secondaire, Sarah Murlock. Ah, vous voulez entrer dans le monde des petits boulots? Pratique douteuse. Vous devez aller voir si les membres de l'ancien gang d'Hammerlock vont bien, même si c'est certainement le cas. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans une prison où les bandits font la loi? Pendant mon emprisonnement chez les descendants, j'ai rejoint un gang. Pour la protection, mais aussi la camaraderie. Des gens adorables, des combattants pour la liberté, des criminels sans pitié, parfois les deux. Si vous pouviez prendre de leurs nouvelles, je vous en serais très reconnaissant. Ils sont à la prison. J'ai le cul qui gratte. Alors, Eden, content de savoir. Ils sont chiants à parler. Oui. Alors attends, parce que du coup, il est 23h51. On a un truc à l'enclume, donc c'est beaucoup trop loin. On a un truc, faut aller voir Clay, donc à la limite. Non, c'est où? On peut toujours aller le voir. Et après, peut-être aller à Sanctuary, je sais pas si on veut acheter des trucs avec de l'iridium ou des conneries. Ça marche. Du coup, les véhicules sont avec la sang. Tu me manques, maman. Pourquoi est-ce qu'il dit toujours ça quand il me regarde? Bon, si tu lui rappelles sa mère, peut-être qu'elle avait aussi des oreilles de chat, je sais pas. Il est plutôt chelou comme type. Ah, une légende, ce Clay. Un contrebandier. Je me méfie un peu, mais il travaillait pour mon père, et c'est peut-être notre seule chance de renvoyer ces fanatiques dans le tas de boue dont ils sont sortis. Alors ça y est, t'as croisé la nouvelle membre de notre grande famille? Aurélia, quel cœur de glace. Elle a tenté de tuer son propre frère, non mais tu te rends compte? Enfin bref, on se rapproche de la Grande Arche. La personne qui l'ouvrira... Ah merde. Merde. Doucement, doucement. Je suis pas là pour me battre. Je fais plutôt dans les services, moi. Super sociable. Pareil, j'ai dérapé sur sa gueule, par contre. Effectivement. Okay. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est Clay. Je suppose qu'on est là pour former la résistance de Jacobs. Vous pourriez me dire avec qui je travaille? Amara, la tigresse de Partali. Mes points sont plus que légendaires. Tigresse? Ils sont pas les couilles. On n'entrera pas par la porte. J'ai peut-être une autre idée. Suivez-moi. D'après mon expérience, une résistance a besoin de deux choses. De l'espoir et des armes. Mais quand même, surtout des armes. Alors nous, on va libérer cette ville, ouvrir son arsenal,
et rendre les armes de Jacobs aux hommes de Jacobs. Je sais pas ce que Wainwright vous a dit sur moi, mais c'est sans importance. On a une ville à libérer et des bandits à tuer. J'espère que ce soit pas trop long de faire ça. Ouais. En soi, on peut s'arrêter ouais, à n'importe quoi. Ouais, je l'ai toujours. Allez. Certes. Oh. Il y a quelques bandits. Montrez-moi l'étendue de vos talents. Sérieusement, DDD. Je te hais. Ah, c'est pas forcément... Enfin non, il est pas obligé de... Pour l'instant, il a pas encore pris le... Je vais t'éclater comme un gros ch'tard. On leur pense dessus. Une plus grosse tête explosée. Là, il a pris le... Please, DDD. Pour le bien de ce stream. Ne le régénère pas. Juste après ça. Pour le bien des VOD. C'est ça. Pour YouTube. Pour la postérité. Oh les dégâts doublés, je les ai sentis. Le passage de level, je l'ai senti aussi. Ah. Niet. Vous avez un sacré don. La résistance a bien de la chance. L'arsenal devrait être tout près d'ici. De quoi ? J'ai mon blitz maintenant. Ah. Voilà l'arsenal. Bon, maintenant, comment on y entre ? Par la porte. Par cet énorme trou qu'il y a. Alors là, j'ai une question. Opération hasard. Pendant que je fais ça, occupez-vous de la racaille et libérez quelques loyalistes de Jacobs. D'après Wainwright, les DDA ont capturé un maître armurier de la société, un certain Dalton. Prévenez-moi si vous le trouvez. Alors là, j'ai une question, DDD, je sais pas si tu connais le soldat. Est-ce que j'ai plus de... Pour Jacobs ! J'ai plus de grenades. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Enfin, j'ai lu ça dans le journal d'un type que j'ai tué. C'est la fin pour toi. Alors, je peux plus lancer de grenades, mais une capacité où c'est que le drone abandonne des grenades gratuites. Mais du coup, c'est pas grave si moi je peux plus en lancer. Ça va à la moustache, connard. Pour les Calypso. Tu vas aller nulle part. Pour information DDD, c'est bien le blitz qui fait que j'ai des points qui pop sur le côté. La liberté, c'est pas gratuit. C'est même assez cher. Ouais. Moi aussi, je suis philosophe à mes heures. Les rapaces de l'arche et de la gnognole. Faut courir, extrêmement d'enculé. Ah, fais gaffe à un gros bazooka. Elle est vraie. Elle fait mal. La grande arche m'appelle. Ok. Aucune idée, j'ai pas fait Zayn. C'est notre moment. C'est l'idée. Ok, revenez à l'arsenal, j'y suis presque. Ok. Ah, ça s'ouvre toujours pas. Va peut-être falloir l'encourager un peu en tirant dessus. Honneur. Non, faut juste lui parler, faut pas taper dessus. Je sais quand même. Bien joué, chasseur de l'arche. Vous avez trouvé Dalton, l'armurier ? Je l'ai pas vu. Que des petites frappes. Merde. Faut qu'on trouve Dalton. Mais on va d'abord forcer l'arsenal. Chaque chose en son temps. Il y a des civils derrière. Bien visé. Ah. L'électricité, c'est comme quand t'as le vent de face. Au mieux se retenir de pisser. Ils ont repop ici. Ça comme ça, chasseur de l'arche. C'est l'arsenal personnel de Dalton. Mais on pourra pas rentrer sans son armurier préféré. Je vais tenter de le localiser. Pendant que je cherche Dalton, surveillez mes arrières. Je veux dire, les laissez pas me tirer dans le dos.
Les paroles, c'est moins précis qu'une balle, mais si on fait pas attention, c'est tout aussi dangereux. Mais c'était... J'ai repéré Dalton, mais là, ça, on doit sécuriser la ville. À l'attaque. J'espère que vous êtes là pour vous battre, parce que eux sont là pour mourir. C'est beau. J'ai pas peur, sale priveur. On se fait un coup. T'arrêteras. Celui-là, on va en faire une chance. La vache, tu me dis. Ça sent bien. Protégé. Oh merde. Ouais. Je me laisserai pas faire. La vache. Oh, t'es grand. C'est là. Ça va passer crème. Tiens. Ils sont plutôt du genre violent. Abandonne, bisou. C'est parfait. Ça me fait plaisir. Faites massacrer, sale ordure. Malédiction. Non, c'est pas bien. C'est lui là qui m'a défoncé la gueule. C'est mon plaisir de remplir les cimetières. Une personne. Il reste plus personne. Allez, on se regroupe et on charge. Ils arrivent. Chasseurs de l'arche, autant que je vous prévienne, j'ai embauché de véritables spécialistes pour s'emparer des fragments de la clé. Ça m'a coûté une petite fortune que j'aurai récupérée d'ici une micro-sieste, car je gagne de l'argent en dormant, car je suis riche. Au saloon, on va se boire un grand verre de sang de bandit. Le champignon. Les pour les calypsos. Ils arrivent, chasseurs de l'arche. Abattez-les. Ils sont relous à rentrer dans ce bouclier. Ah, ça. Je la vois. Merci de m'aider. Je peux pas le soigner. Je transpire de la bouche, j'ai de rire. Je transpire de la bouche. Nani. Prends ça. Saupoudrez-moi. Mes chers partenaires commerciaux, êtes-vous sûr que votre famille est à la hauteur? Loin de moi l'idée d'employer les mots incompétence crasse. Alors le faites pas. Ça grouille de bandits dans le motel. On va libérer des chambres. Merde. J'espère que vous aimez vous fighter. Hey. J'ai cru que j'étais invincible. J'espère que c'est la dernière fois. Oh, les dieux, mort. Ouais, ça commence à être cool. Ça c'est moche. Non, c'est pas pour ça. C'est bon. Je m'en charge, c'est mon heure de gloire. Faucon ardent. Ah non. J'ai eu peur, je me suis dit quoi? Donc on va t'aérer. Oh bordel, ils sortent de nulle part. Enfin bon, on peut quand même les saigner. C'est parti. Quoi? Je l'avais lu dans ton horoscope. Le jeu est vraiment codé avec la vie. Les arches sont à nous. Ah, il y a des fois où l'attaque au corps à corps se lance bien, se trigger bien, mais il y a pas de, il y a pas de dégâts. Je t'avoue, j'étais pas trop avec. Je me réveillerai dans un long. Tiens, c'est quoi? Enfin, la viande fraîche pour le ragoût. Barrière! Crevez, tas de cons! Ok. C'est bon, live. Ah, il a mis une régène de santé. Moi, c'est Clay! Ravi de vous avoir connu! Gros craquage! Champignon man.
Je suis impressionné. Jaxkin, te tue pas. Au combat. C'était le dernier. Ouh. Oh, j'ai parlé trop vite. Laissez pas votre canon refroidir tout de suite. On va voir comment tu t'en sors face à mes frères et sœurs de niveau Iridium. On compte sur vous. Il pleut des bandits. Tireur en l'air à l'aveuglette. Frères et sœurs, tuez les hérétiques au nom des Calypso. La grande arche vous appelle. Ne me plaît. J'ai plus de grenades. Celui-là, il a de la portée. Ah, le champignon. Oh là, c'est bon. Faut se le faire. Inspirez à fond, bâtard. Ah. C'est parti, je vole. On m'en présentera bientôt à nouveau. On l'a défoncé. Ça doit être sympa pour se gratter le dos. Un bras comme ça, entre nous. C'est bon. Les flammes de la résistance crépitent sec. On n'a plus qu'à en faire un feu de joie. Par ici. Parlez. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Ah non, tu veux qu'on finisse peut-être? Ouais, je sais pas, j'ai peur. Parce qu'on a le point de TP qui est juste là en fait. Ouais. Au cas où. Bon, au moins lui parler. À vous l'honneur, chasseur. Lui met le courant. Je pense qu'on est sur la fin de cette quête là. Et la ville est à nous. Je dois bien le reconnaître, chasseur de l'arche. Vous avez un sacré talent. T'as vu ça? Ok. Ouais, enfin, c'est pas encore fini. Je dirais que les DDA ont enlevé Dalton. Il est retenu prisonnier sur une île, à la forteresse du Soleil. Je vais rester m'occuper de la ville. Allez libérer Dalton. Pour ça, marrant qu'il ait appelé Dalton. Travaillait pour le père de Wainwright, lui aussi. C'était son armurier personnel. Il fabrique les meilleures armes à feu de toute la planète. On peut pas laisser les DDA s'en emparer. Alors on va le libérer. Je parie que vous vous demandez comment Aurelia Hammerlock s'est retrouvée alliée aux descendants de l'Arche. Avant l'invasion, j'ai découvert qu'elle espionnait son frère. Aurelia a donné tout ce qu'il fallait au Calypso pour attaquer Eden 6 par surprise. Et elle a aussi prétendu savoir où trouver la clé de l'Arche. Sauf que c'était pas vrai. Parce que même l'argent peut pas acheter certains secrets. C'est bon ? Eh ben c'est bon. Du coup on va s'arrêter là. Des bisous YouTube, des bisous Twitch. Et la suite demain, hein, comme d'hab. Salut. Tchou.